Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis votre assistante personnelle au site crayon.com et avant de regarder cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle au site crayon.com et le sujet d'aujourd'hui, il est un peu délicat. Donc, comment on peut comprendre qu'une femme, elle est tombée amoureuse et elle est prête à avoir le sexe avec vous? Maintenant, je vais dire sur moi, donc ne me jugez pas très sévèrement, s'il vous plaît. Je pense que quand je suis tombée amoureuse, mes yeux brillent, c'est tout de suite. Après, je veux dire que je suis très motivée et dynamique. Ça veut dire, par exemple, il est 11h du soir, je veux aller courir dans le parc, j'ai beaucoup d'énergie, je veux me développer, je veux cuisiner, je veux faire du sport, je veux faire beaucoup de choses. Quoi encore? Je pense que quand je suis tombée amoureuse, je veux partager plus de temps avec, avec mon homme et je veux le rendre heureux. C'est comme une garantie que je suis tombée amoureuse. Et à propos du sexe, je peux dire que quand je suis tombée amoureuse, si j'aime l'homme, je veux avoir le sexe avec lui toujours et partout, c'est obligatoire. Donc maintenant, vous allez savoir les réponses des femmes ukrainiennes, comment on peut comprendre qu'elles sont tombées amoureuses et elles sont prêtes à avoir le sexe avec un homme. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, écrivez vos commentaires, partagez vos avis, votre expérience et à tout de suite. Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir. Мне кажется, для этого нет какого-то четкого временного регламента, когда там к этому можно перейти. Важно чувствовать друг друга, да, и однозначно мужчина должен завоевать. Женщина, ну, опять мне кажется, или я так думаю, или я так живу. Я никогда не буду в близости с человеком, который там, мне не близок по духу, не импонирует, не нравится, и к которому меня не тянет. Нет в этом смысла никакого, потому что ты никакого удовольствия не получишь и не расслабишься, и вообще ну, нету в этом смысла никакого. Просто так это делать, то есть это только можно, когда есть какая-то теплота и связь уже друг между другом. Но это точно не первое свидание. И, скорее всего, даже не второе. Ну, если коснуться вообще факта, ну, если, может, слышали, гороскоп такое понятие. Я знак воды. Я рак тоже. Раки – это женщины очень нежные, водные и мягкие. И они очень интуитивно чувствуют подход мужчины. И если они чувствуют, что мужчина ее, то уже не нужно никаких ответов.